profils intéressants aujourd'hui? Oui, Fama Barcha Abed, des profils intéressants. Donc, on a deux postes à prévoir aujourd'hui. À l'avec Gina Pchando, les recrutements, les entretiens de recrutement. Fama a des profils très intéressants, tout ce qui est communication digitale, tout ce qui est communication éditoriale, mais tout ce qui est spécialiste en rédaction. Et quelles sont les fautes que le collègue a mis en place? Les fautes les plus récurrentes, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils ont fait, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et ils ont fait ce qu'ils ont fait carrément. Donc, c'est ce qu'ils ont fait les fautes. Sinon, pour les CV, ils sont bien faits, ils sont meilleurs par rapport à l'émotivine régionale. Là où les gens sont très motivés, à la recherche d'une opportunité. Madame, est-ce que question emploi et employabilité, est-ce qu'on a un problème d'employabilité ou un problème d'employabilité? Je dirais les deux. Peut-être digital plutôt. Un problème d'emploi et pas d'employabilité. Dans le domaine digital, je suis en freelance, c'est le cas. Mais dans le domaine de traitement, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je trouve le profil adéquat et en même temps, c'est un domaine qui est en vogue, mais des sociétés ont beaucoup, beaucoup d'importance, alors qu'on on va vers la digitalisation et c'est dommage. Mais est-ce que maintenant, les femmes ont plus d'offres que de demandes dans le domaine? Je dirais oui et non. Je pense que femme a pas mal d'offres et que je pense qu'il y a pas mal de masters, de cursus universitaires qui sont spécialisés dans le digital marketing, le web marketing. Et donc je pense qu'ils peuvent se rejoindre. Mais femme a un problème d'employabilité et d'emploi en même temps. Exactement. Merci beaucoup. Aïe.